Wonderful, marvelous, are the works of the Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of the Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of my Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of my Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of my Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of the Lord. Great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of my God, and great is Thy name. Wonderful, marvelous, are the works of my God, and great is Thy name. Hallelujah. Wonderful, marvelous, are the works of the Lord, great is Thy name. Of my Lord, great is Thy name. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. La sœur Alphonsine, ça va? Oui, ça va. On a la grâce. Vous m'avez manqué. Ah oui. Comment ça va à la maison? Ah, ça va très bien. Ça, la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver ce soir. Il est minuit et 37 minutes à Douala au Cameroun. Quelle heure il est chez toi? Il est 19h37 minutes. 19h37 minutes. Donc on peut travailler jusqu'au matin quoi? Pardon? On peut travailler jusqu'au matin, n'est-ce pas? Oui, pas de problème. La sœur Suzanne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va? C'est la position du réseau que tu cherches, mais c'est le mari que tu fuis. Les deux. Ça va aller. On n'a pas d'endroit permanent ici où il y a le réseau. Le seul bon réseau, c'est au ciel, n'est-ce pas, ma soeur?
Ouais. Mon frère Camille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Shalom, shalom, mes soeurs. Comment vous allez? Nous allons bien. Frère, par la grâce de Dieu. Bonsoir à toi aussi. Merci. Notre bien-aimée soeur Monique, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Un peu encore la cuisine. Tu fais la cuisine pour le mari ou ce soir? C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Celle qui est toujours calme et que s'il était un homme, elle pouvait être votée comme étant pas. La sœur Augustine, bonsoir et bienvenue. Vous allez voir, elle va parler seulement doucement. Elle va seulement dire bonsoir, mon frère. Ça va, la sœur Augustine? La sœur Augustine, bonsoir. Ton micro n'est pas ouvert. Donc, vous m'excusez, pendant que je vous parle, je suis en train de répondre aux certaines questions de ce côté-ci à d'autres personnes. La sœur Karine, ma bien-aimée sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde, je ne vais pas parler, mais je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est ça? Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir se connecter là. La sœur Augustine essaie de parler encore, je ne sais pas si ton micro est déjà ouvert. Voilà. Canada dans la sainteté, bonjour, bonjour, c'est bonjour maintenant là-bas. Bonjour et bienvenue. Bonjour chez moi et bonsoir chez vous. Bonjour frère. Je crois qu'il y a la sœur Aristide qui essaie d'entrer dans la conversation. Je crois que sa connexion est instable. Bonsoir ma sœur et bienvenue. Bonsoir mon frère. On ne te voit pas. Oh, qu'est-ce que je fais là? C'est la connexion chez toi, c'est la nouvelle technologie. Est-ce que ça va maintenant? Voilà, on te voit. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, bonsoir. Qui c'est ça? C'est grand-mère? Tu fais? Et du maman. Alors, je suis à votre service ce soir. Je suis à votre service ce soir. Des questions? Comment avez-vous passé la semaine? Ça fait deux semaines, on n'a pas travaillé. Comment avez-vous passé? Quelqu'un est en train de bavarder. Il y a un enfant qui demande des caramels là-bas. Quelqu'un a-t-il passé de bonnes semaines? Avez-vous des questions, des préoccupations, des sujets, des tristesses, ainsi de suite? Des nouvelles qui vous a choqué? Il y a toujours. Ça ne mange pas. Bon, on commence alors par les femmes. Honneur aux femmes. Parce qu'ici, elles sont 99%, n'est-ce pas, mon frère? Comme d'habitude. Alors, je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, la sœur. Non, ne commençons pas ce soir, c'est vraiment l'entraîner dans les domaines où on n'a pas enseigné. Allez, dans le temps, quelqu'un a des préoccupations? Ok, je peux commencer. S'il n'y a personne, je peux commencer. Il y a toujours un début. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui va commencer? C'est toi? Comment ça? Puisqu'il faut un début. Dans une classe, il y a les premiers, il faut forcément que ça commence par quelqu'un. Donc, commence. Bon, déjà la semaine dernière, je n'ai pas pu me joindre. J'avais eu des empêchements de dernière minute, mais bon. Et c'est avec regret que je n'ai pas pu assister donc à la séance. Mais par bonheur, je suis là aujourd'hui. Excusez-moi, c'est ma fille. Alors, ok. Ok, j'avais une question. J'ai regardé par exemple la vidéo portant sur la prière de la fervente chrétienne. C'est ça? La prière fervente du juste. C'est quoi la prière fervente du juste? Ok, oui. La prière fervente du juste.
et entre autres choses que l'on demandait là dans cette vidéo, qui était relevée dans cette vidéo, on parlait par exemple de pardon. Oui. Ok, donc ça c'était les prérequis pour que, je suppose, pour que la prière peut-être puisse monter très bien ou bien je ne sais plus trop quoi. En tout cas, on parlait de pardon. Et là, j'étais un peu embarrassée au niveau du pardon parce que je voudrais savoir jusqu'où on peut aller dans le pardon. Parce que je me souviens dans une de tes vidéos, tu disais ce ne serait pas réfléchi d'aller chercher la signification des mots. Des mots bibliques dans le dictionnaire. Oui. J'ai écouté ça dans toutes les vidéos aussi, je ne sais dans laquelle, que ce n'était pas réfléchi de chercher la définition des mots bibliques dans le dictionnaire. Bon, alors, le pardon, comment est-ce que je peux interpréter le pardon? Jusqu'où est-ce que je peux aller avec le pardon? Parce que, je vais m'excuser, je vais pouvoir prendre par exemple des exemples relatifs à ma propre personne. Oui. Donc là, j'ai eu des conflits, par exemple au boulot. Est-ce que tu es avec moi? C'est sûr, c'est. Oui, oui. Je suis concentré sur ta maison, ne t'inquiète pas pour moi. Ok, j'ai eu des conflits, par exemple, à mon boulot avec mon supérieur hiérarchique. Et quand on parle de pardon, je me demande bien comment je vais me comporter vis-à-vis de ça. Parce que je sais, par exemple, qu'à partir du moment où je ne peux pas préméditer de mal vis-à-vis d'elle, je pense que c'est déjà le pardon. Alors, jusqu'où je peux aller avec le pardon quand il s'agit dans une circonstance pareille? Bon. Ça va être quoi le pardon? Commençons d'abord au début. Qu'as-tu dans ton cœur contre lui? Contre lui? Oui. Ça me fait de la peine d'avoir été harcelé. Et quand tu le regardes, si tu le regardes ou bien tu entends sa voix, qu'est-ce qui te vient en pensée? Mais je pense à toutes les misères, par exemple, qu'elle m'a causées. Mmh, et qu'est-ce que tu lui souhaites? Bon, rien de mal. Je ne prémédite rien, je n'irai jamais rien lui faire de mal. Mais non. Je sais que si je suis dans une circonstance où je dois me défendre, je le ferai. C'est-à-dire que tu pourras jusqu'à lui faire du mal, par exemple, quoi? Pardon? Jusqu'à lui faire du mal, par exemple, pour te défendre, par exemple, quoi? Bon, par exemple, porter plainte. Oui. Alors, ce que je veux comprendre, je ne sais pas, je veux aller avec le pardon. Je oui. ne porte pas plainte, je porte plainte, qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Bon, dis-moi, est-ce que tu peux te baisser comme ça et prier pour cette personne-là, honnêtement, avant qu'on commence maintenant? Tu pries quelque chose sur ton cœur? Mais je le fais toujours, je prie toujours pour mes ennemis, chaque fois que pour je... tous les ennemis? Oui. Ça veut dire que tu as un cœur de pardon? Pardon? Ça veut dire que tu as un cœur de pardon? Oui, je pardonne, puisque de toutes les façons... Tu fais quoi, ma soeur? Tu fais quoi, ma soeur? Tu dis que tu fais quoi? Pardon? Tu dis que tu fais je quoi? Je dis que... Oui, tu dis que quand tes ennemis, quand t'as fait du mal, tu fais quoi? Non, je dis que lorsqu'on me fait du mal, moi, je ne prémédite rien. Je ne peux rien préméditer pour lui faire du mal en retour. Mmh. Mais toujours est-il que c'est douloureux. Et que chaque fois que je prie aussi pour mes ennemis. Donc, je ne sais pas, c'est ce que je veux comprendre. Juste où je dois aller avec le pardon. Parce que j'ai, par exemple, porté plainte. Est-ce que je dois enlever ma plainte ou bien qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Ok, on va aller à l'exécutif. On va aller à l'exécutif tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tu peux me dire si tu lui as pardonné? Ou bien si tu leur as pardonné les ennemis, là? Ben, c'est ce que je veux comprendre. Ça veut dire quoi pardonner en ce moment-là? Parce que je me dis que si je ne peux pas préméditer le mal, je ne peux pas envisager quelque chose de nuit. Alors j'ai pardonné. Allons-y. Romain, ouvre le livre de Romain. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour cette question. La soeur qui fait la mamie, demande-lui de fermer le micro avant de faire frire les plantains mûres. Mais c'est la sauce tomate. La soeur Monique, s'il te plaît, ferme ton micro. Romain chapitre 12. Thank you.
Verset combien? À partir du verset 17, 17 au dernier. Ma soeur est là. Oui. Vérifions qu'elle est d'abord, qu'elle soit déjà arrivée. Moi? Oui, tu y es déjà? Oui, j'y suis, oui. Ok. Allons-y, mon frère. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi appartient la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ma soeur, tu as suivi ça? Oui, j'ai écouté. Qu'est-ce que tu en dis? Notre proverbe chapitre 17, déjà note cela, notez le proverbe chapitre 17. Canada, que le Seigneur freine notre chemin jusqu'à vous. Amen, mon frère. Proverbe chapitre 17, verset 13. Note cela, ma soeur, et puis tu me réponds à ma question. Tu es Proverbe chapitre 17, verset 13, et le chapitre 20, verset 22. Ou bien verset 22. D'accord? On va lire ça tout à l'heure. Mais de ce qu'on a lu ici dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 17 et à dernier, qu'est-ce que la soeur, notre soeur en dit avant qu'on entre en plein adhérent? Notez également Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, je crois qu'on va lire cela dès le départ. Donc, Luc chapitre 6, on va lire Proverbe chapitre 13, chapitre 17, verset 13. Proverbe chapitre 20, verset 22. Je crois que je vous ai donné le verset 23 aujourd'hui. 22, 23. Et Luc chapitre 6. Ma soeur, tu as suivi ma question? Ce que j'en dis? Oui, à partir de la première lecture que nous avons lue là maintenant. Oh, j'avoue que je suis encore dans l'embarras. Ne rendez à personne le mal pour le bien. Je pense que là où on en est, c'est une histoire qui date depuis 2 ans. Et je pense que c'est parce que je n'ai rien rendu que j'en suis arrivée là. Donc j'ai porté plainte au bout de six incidents. Je n'ai porté que plainte. Je n'ai jamais rien rendu. Je n'ai porté que plainte. Quand tu portes plainte, c'est pourquoi? C'est pour qu'est-ce qui se passe? Pour que justice soit rendue. Pas nécessairement justice, peut-être pour qu'on la dégage, pour qu'on l'affecte ailleurs, c'est tout. Ça, c'est ce que j'attends. Pas nécessaire. Qu'on l'affecte ailleurs et que je sois tranquille. Ok. Allons dans le livre des Proverbes maintenant. Alors, c'est toi qui lis. Proverbe 17, c'est ça? Le premier qu'on a donné. Celui qui rend le mal pour le bien, celui qui rend le mal pour le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Voilà le pourquoi, justement, le Saint-Esprit demande que ses enfants soient dans une direction de bonté. Parce que si tu commences à rendre le mal, je ne suis pas encore entré dans la réponse, je vais parler d'abord dans la généralité, puis je vais revenir dans ton cas particulièrement. Comment ça?
Lorsque celui qui rend le mal pour le bien. Non, lis bien. Lis encore. Celui qui rend, oui, c'est ça, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Ça, c'est un principe spirituel. C'est pour ça que si vous accueillez un sorcier chez vous, si vous savez que c'est un vrai sorcier, la seule chose que vous pouvez faire pour lui faire beaucoup du bien, c'est lui donner à manger. S'il mange à votre table, il sait effectivement que, d'après les lois spirituelles, il ne peut pas venir vous manger à la sorcellerie. Alors, vous voyez, ici on dit celui qui rend le mal pour le bien. Donc vous faites du bien à quelqu'un, si vous rend le mal, la Bible déclare que le mal ne quittera pas sa porte. C'est terrible. En fait, c'est ce qu'elle a fait. C'est parce que je faisais du bien qu'elle m'a rendu le mal. Donc tu vois effectivement qu'en réalité, d'après cela, d'après les effets de la de cause à effet, normalement tu ne dois plus te battre. Normalement, tu ne dois plus te battre parce que automatiquement, elle a quelque chose. Cette personne-là a quelque chose devant sa porte. La sœur Stéphanie, bonsoir et bienvenue. Mais voici alors, comme tu me veux me voir là. Tu me vois bien maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Ah, c'est le papa maintenant. Alors, donc le principe veut que si tu fais du bien, on ne te rende pas le mal, tu restes calme. Parce que c'est ce qui est dit dans Romains. C'est là où on a commencé dans le livre de Romains, chapitre 12. Il dit la Bible dit ne vous rendez point justice. Or, maintenant, vous allez voir qu'il y a un problème. Maintenant, on va lire. Je veux tout le cas qu'il parle avec ceci. Regardez. Si vous lisez bien les Saintes Écritures, vous allez remarquer que, en réalité, les serviteurs de Dieu, dans le chapitre 13 des Romains, à partir du verset 1, si vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 13, la Bible appelle les magistrats et les gouverneurs là-bas serviteurs de Dieu. Donc, ils ont le même titre devant le Seigneur, exactement comme les pasteurs, les apôtres et autres. Donc, c'est des serviteurs de Dieu dans un autre cadre. Parce qu'ils portent d'autres attributs de Dieu qui n'est pas lié à la spiritualité, mais à la manifestation des attributs physiques du Seigneur. Or, les pasteurs, les apôtres et ainsi de suite sont appelés dans le cadre spirituel, l'aspect esprit du Seigneur. C'est pas ce que vous saisissez. Vous me comprenez avant que je puisse avancer. Ma soeur, tu me comprends? Et pas très bien. Je comprends, comment dire, j'entends, mais je ne saisis pas bien le sens. C'est pour ça que je vais me calmer chaque fois pour demander si vous comprenez. Il faut que vous compreniez avant que je n'avance. J'ai dit ceci, Romains chapitre 13, dit que toute personne soit soumise à l'autorité établie parmi les hommes. Car il n'y a point, il y a un bruit des marmites là-bas. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient point de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à une autorité s'oppose à ce que Dieu a établi. Et celui qui s'oppose à l'autorité attirera sur lui une ruine soudaine. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Romains chapitre 13, n'est-ce pas? Okay. On dit donc, la Bible déclare donc, car les magistrats sont serviteurs de Dieu pour ton bien. Okay. Voilà, donc les magistrats sont serviteurs de Dieu. Quand on parle des magistrats ou bien des gouverneurs et autres là-bas, ce sont des gens qui sont parmi les hommes. C'est ceux qui sont institués parmi les hommes. Donc je suis en train de dire ceci. Ce sont des serviteurs de Dieu à part entière mis sur place pour manifester le droit et la justice de Dieu sur le plan humain. De l'autre côté, donc, ceux qui sont du côté spirituel devraient comprendre forcément ces principes si particulièrement que le domaine spirituel domine sur le règne animal, le règne physique. Maintenant, celui donc qui est entré dans le règne physique comprend effectivement la nécessité du pardon, la nécessité des miséricordes, la nécessité de la paix. Il n'y a pas de paix sans pardon, il n'y a pas de pardon sans amour. La paix, la miséricorde, la bonté, l'amour sont intimement liés, donc on ne peut pas les séparer. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, mais vous pouvez le pardonner. Vous ne pouvez pas dire que vous pardonnez quelqu'un, mais vous voulez qu'on le punisse. Vous ne pouvez pas dire que vous punissez quelqu'un et vous voulez de la bonté pour lui. La Bible déclare que la miséricorde sera, pour ceux qui ont la miséricorde sera faite. Donc, qu'est-ce que la Bible préconise donc pour ceux qui sont dans l'esprit? Pour ceux qui sont dans l'esprit, la Bible déclare pourquoi ne vous souffrez pour vous par quelques injustices. Pour le cas des chrétiens, par exemple. D'accord, ma soeur? Donc, de l'autre côté, on a les chrétiens ici qui doivent vivre la vie de Christ. De l'autre côté, on a les magistrats qui sont le bras humain, le bras charnel de la partie spirituelle, de la partie charnelle de Dieu. Parce qu'ils manifestent l'autorité et la grâce de Dieu sur le plan humain pour établir la justice. Nonobstant du fait qu'ils vivent dans le péché, il y a des corruptions dans la justice. C'est plein dans la Bible, là, ces choses-là. Alors, maintenant, ceux-ci donc sont normalement sur la terre. Les magistrats comprenant, dans le livre, prenez le temps de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Si les magistrats comprennent effectivement qu'ils portent l'autorité de Dieu,
ces magistrats-là vont rendre justice selon la droiture. Et en faisant cela, ils manifestent le droit de Dieu sur la terre parmi les humains. C'est ce que la Bible prévoit pour eux. Mais on se trouve dans un siècle contrôlé par Satan, au point où les magistrats qui sont censés être des dieux sont effectivement avec les attributs de Dieu, mais servant Satan dans la manifestation de la justice. Par conséquent, si tu es pauvre, tu vas en justice, tu es sûr d'être condamné. Si quelqu'un est riche et est connu dans l'autorité, il est sûr de ne pas être condamné. C'est exactement l'injustice dont la Bible rejette. Alors c'est pour ça que Christ, notre Seigneur, est notre justice. Et s'il est notre justice et que nous comprenons que sur le plan humain, nous n'avons pas de justice qui puisse nous rendre justice selon Dieu, ce que nous devons faire, c'est nous remettre fidèlement à lui afin qu'il tire justice. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est notre avocat. C'est donc pourquoi la Bible déclare que ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère. Vous voyez cela, il faut que ce soit Dieu qui vienne dans la vengeance. La Bible déclare par exemple dans le livre des Thessaloniciens qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous créent affliction. Donc, dans le cadre de la persécution, quelqu'un vous crée affliction. On ne dit pas qu'allez vous plaindre chez les hommes, on dit qu'il est de la justice de Dieu. Parce que si vous le faites, si vous faites par exemple, qu'on punisse quelqu'un pour un mal qu'on vous a fait, il ne sera plus puni plus tard. Dieu va vous appeler tous deux, si la justice avait été rendue sur la terre, il va vous appeler encore tous deux en jugement pour peser encore jusqu'à ce que la justice soit faite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils feront faire en tant que chrétien? Il faut laisser faire. Ah oui, voilà la volonté parfaite. Il faut laisser faire, même si on fait n'importe quoi sur la terre, il faut laisser faire de telles enseignes que on va plus, même si on vous punit, même si on vous rend de mauvaise justice sur la terre, même si on se raille de vous, Christ, qui est notre justice, justifiera ses serviteurs et condamnera les gens qui auront touché à un seul cheveu de ses enfants. D'accord, ma soeur? Le procès du Seigneur Jésus-Christ marque un tournant pour l'histoire des jugements sur la terre, pour montrer effectivement que la vérité a foutu le camp devant la justice humaine. Il dit bien, le procès du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible nous présente que, même si vous avez raison, on peut amener de faux témoins pour témoigner contre vous et que vous soyez condamné. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Prenons le livre de 1 Pierre, allons-y dans le livre de 1 Pierre, regardons bien. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Souvenons-nous, il y a le Proverbe chapitre 20, verset 22, Dieu qu'on n'a pas encore lu. Un Pierre chapitre 2, je vais lire, d'accord? D'accord. Bon, je vais lire doucement jusqu'à ce qu'on arrive. J'espère que vous m'entendez très bien. Ok, 1 Pierre chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11 et je vais lire doucement. 1 Pierre chapitre 2. Vous y êtes? Oui. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous y êtes, n'est-ce pas? Ayez, ma soeur, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas encore trouvé. Tu as trouvé, ma soeur? J'ai l'impression que je ne suis pas à la bonne page. Voilà, il faut qu'on lise. C'est ça, hein? Oui. 1 Pierre chapitre. 1 Pierre chapitre 2. Ok. Vous y êtes? Okay. Ou bien c'est ma version de Bible qui est différente. Est-ce que ta version biblique dit au verset 18 du chapitre 2 de 1 Pierre, ma soeur? Chapitre 18. Non, chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Tu n'es pas là-bas. Regarde le livre dans lequel tu te trouves, ma soeur. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Non, tu n'es pas au chapitre 2. Verset 11 maintenant. Bien-aimé, je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Voilà, on est ensemble. On est sur la même longueur d'onde. Je peux lire maintenant. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens
une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils... Mais si tu y es, j'espère que tu regardes bien. Pendant qu'on a des livres, regardez, toi particulièrement. On y va. Ok, oui. Non, mais continue la lecture, continue verset 12. Allons-y, lis. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Continue, ma soeur, continue jusqu'à ce que le passage, le chapitre finisse. À cause du Seigneur, soyez soumis à toutes les institutions humaines, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Stop. Vous avez vu ce que le verset 14 dit, n'est-ce pas? Donc on dit clairement que les gouverneurs et les magistrats sont envoyés par Dieu. Donc, de la même façon comme Dieu envoie les apôtres pour amener les gens dans le royaume, envoyés en avant, il envoie aussi les gouverneurs sur la terre. On dit, le but pour lequel il envoie, c'est pour punir les gens qui font le mal. C'est ce que l'apôtre Paul va reprendre en développant dans Romains chapitre 13, dont j'ai cité tout à l'heure. D'accord, ma soeur? Donc, les gouverneurs sont les envoyés de Dieu. Enfin, tous ceux qui occupent les autorités dans quelque sphère, que ce soit de chaque État, qu'ils soient mauvais, franc-maçon ou quoi, son autorité vient de Dieu. C'est terrible. Je crois que ces choses, il va falloir qu'on explique bien ça selon les Écritures. Parce qu'il y a une complexité lorsqu'on dit Satan est le prince de ce monde, le diable est le prince de ce monde, et du fait que l'autorité, quelle est la compatibilité entre l'autorité pendant que les gens sont dans les sacrifices, les enfants font des cercles ésotériques, et on dit que leur autorité vient de Dieu. Effectivement, ça vient de Dieu. Parce que pour qu'il manifeste une autorité dans le domaine de Dieu, dans le domaine physique, il va falloir que ça soit accompli sur le plan spirituel. Et pour que ça soit ainsi, il faut que Dieu donne son accord. Si ce n'est pas son accord, vous voyez qu'on tourne sur la terre comme ça, on a de servir Dieu de toutes les façons. On est dans le plan de Dieu, que ce soit que tu sois du côté du mal, que tu sois du côté du bien, chacun est dans le plan de Dieu. Personne n'échappe à cette règle-là. C'est son monde à lui, celui qui l'a fait, et tout marche, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, tout marche comme il l'a prévu. Il n'y a rien qui le surprend dans ce plan-là. Il n'y a pas un plan nouveau qu'on va faire avant que Dieu change de stratégie. Que non, tout marche comme il l'a prévu. Continue, ma soeur. Verset 15 maintenant. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Mmh. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Mmh. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà. Serviteurs, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines ou motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Arrêtons-nous là-bas et parlons, parce que ceci, les deux versets concernent ton cas particulier. La personne dont il est question ici, c'est ton chef ou pas? Oui. Lisons encore le verset 18, allons-y. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Ta part est comment? Elle est difficile. Donc, ça veut dire qu'elle se trouve dans la dernière partie du verset 18, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, et qu'est-ce que la Bible recommande là-bas que ces personnes qui ont... Parce qu'on a dit, te soumettre non seulement à ceux qui sont d'un caractère doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Qu'est-ce que la Bible recommande pour toi là de faire? De me soumettre et de me laisser torturer. Canada dans la sainteté, bonsoir. Prenez une pause, une respiration et puis on revient, d'accord? Que Dieu vous bénisse.
Verset 19, ma soeur. Merci. Donc, tu dois te laisser quoi? Quel est le mot que tu as utilisé? De me laisser torturer injustement. Torturer, et de ne pas réagir. Torturer injustement et ne pas réagir. Verset 19, allons-y. Maintenant, tu vas suivre ce que c'est torturer et injustement veut dire. C'est-à-dire, sur le plan humain, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura aucun sens. Mais sur le plan de Dieu, dans le domaine spirituel, lorsqu'on y va, tu vas voir ce que ça implique. D'accord, ma soeur? Verset 19. Quand c'est une grâce que de supporter des peines pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Explique-nous avec ton cas. Quand c'est une grâce de supporter. Non, je supportais, je n'en pouvais plus. J'avais le choix entre porter plainte ou bien avaler les médicaments et me suicider. Bon, à ce temps-là, tu n'avais pas encore lu 1 Pierre 2. Je ne sais pas même si en lisant 1 Pierre 2, ça irait. Parce que c'est depuis 2 ans que ça dure et on est à 8 incidents. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer de le supporter. Bon, on a quand je suis en arrêt maladie ici, depuis 6 mois à cause de ça. Oui, ceux-ci-là, on avait dit que les maîtres-là qui ont, sont qui ont des caractères difficiles, là, on devait les supporter jusqu'à quel moment, là, déjà? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le verset est devant nous encore, on peut savoir. On avait dit qu'on les supporte jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce qu'ils dépassent les limites. S'ils dépassent les limites, on pète les plombs. Bah oui, c'est ça. J'ai déjà pété les plombs là. Il y a une voie de sortie à l'issue de ce verset, c'est d'accord ma soeur? Donc la Bible déclare donc que c'est une grâce que de supporter. Le mot ici c'est supporter. Sur le plan humain, je répète encore, c'est un peu comme par exemple une femme dont le mari trompe. Le mari va dehors. Il te trompe avec les femmes. On vient te raconter. Tu se connais, même dans les messages, tu connais, il y a des preuves palpables. La solution biblique n'est pas d'aller dire je connais tout ce que tu fais. Tu vas voir. Dieu va te punir. Tu vas voir. Ce n'est pas la solution biblique là-bas. La solution biblique, c'est tu fermes ton tuyau d'échappement. Donc, la Bible a des façons de régler son conflit. La Bible a des façons spirituelles de régler son conflit et ces choses qui n'ont rien à voir avec le principe humain. Allons-y dans le livre de... Faisons un détour là-bas, mettez le doigt là-bas. J'ai donné un livre de Proverbes aujourd'hui, on n'a pas lu. Lisons là et voyez quelque chose. Chapitre 20 de Proverbes, verset 22, qu'est-ce que ça dit? S'il vous plaît, ne fermez pas, on n'en a pas terminé. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'où peut aller le pardon. Vous y êtes? Chapitre 20, lisons les versets 20, 21 et 22. Verset 20. 21 et 22. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres, c'est ça? Proverbe chapitre 20, versets 20, oui. 21 et 22. Ok. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. Ne dis pas je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, il te sauvera. Oui. Continue. Verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. La balance fausse n'est pas une bonne chose. Voilà. Maintenant, tu vois, et chaque fois, les énigmes qui sont mis là-bas sont des proverbes, c'est-à-dire que ce sont des codes de vie de Dieu donnés dans les énigmes. Le code de vie de Dieu donné dans les énigmes. Dans ce verset 22, il dit ne dis pas. Ne dis pas. Deux points. Il dit ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il dit, ma soeur? Ne dis pas j'ai. Je rendrai le mal. Point. Puis il dit maintenant ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Espère en l'Éternel, il te sauvera. Dans un livre, on me fait le mal. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans les familles, on va venir te dire, on a entendu que telle personne parlait mal de toi. Telle personne dit des choses de mal de toi.
entre ses mains et Dieu. Dieu sait tout. Si Dieu veut qu'il me fasse du mal, il le fera. Point final. Tu as remis entre les mains du Seigneur. Vous voyez, quand on n'a pas compris ces choses, si vous allez voir même des serviteurs de Dieu sur YouTube qui se font de conflits. Tu vas mourir, celui-ci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Parce qu'en réalité, c'est les insultes. Ils souhaiteraient du mal de l'autre. Que Dieu ne vienne en aide. Alors, on ne rend pas le mal. Même si on te fait. Enfin, on va voir ça encore dans le livre des 1 Pierre, chapitre 2. On va continuer dans notre lecture. On va revenir, après cette lecture-là, on va revenir, ou mieux avant cela, dans le livre des Proverbes, on va encore lire autre chose. Continuons, ma soeur, maintenant, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 encore, jusqu'au verset. Continuons. C'est quoi, ma soeur? 1 Pierre 2. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des peines pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Continue, ma soeur. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Tu entends ça, ma soeur? Tu vois encore le mot supporter, n'est-ce pas? Ouais, je vois un peu. Je vois. Je lis. Mais qu'est-ce que tu comprends en disant supporter? Je sais plus. Si on en était, si tu as une plaie et qu'il faut nettoyer par exemple le pus dans cette plaie là pour extirper cela avant de faire le bandage. Lorsqu'on touche, le docteur touche pour nettoyer, ça te fait du mal. C'est généralement quand on veut extirper, bon, pour vous qui avez vécu, si vous avez vécu au village où il y a vous appelez les chics, là les pieds qui sont dans les orteils là, bien dans les bouts des orteils. Lorsqu'on veut les enlever, vous voyez effectivement comment ça fait extrêmement mal. Mais pourtant il faut enlever parce qu'il faut que ça quitte là. Lorsqu'on met l'épingle ou bien le cuir dans ou bien cette balai là qu'on a, vous appelez, qu'on a taillé. Lorsqu'on met pour faire, vous voyez effectivement ça fait mal. De temps en temps, vous enlevez la même de la personne qui le fait. Pourtant, il faut supporter cette douleur pour qu'on traite une fois le cas là, une fois de plus. Or, cette douleur, pendant qu'on essaie d'extirper cet être là qui habite, qui loge dans votre corps, bien le cas de la blessure, le pus, il faut supporter la douleur. La guérison passe par cette douleur là. Il faut supporter. La femme, lorsqu'elle veut accoucher, souffre de douleur dans son ventre. Elle regarde que c'est toi qui m'as mis l'enfant, c'est en regardant son mari comme ça. Ouf, en faisant toutes ces choses-là. Elle supporte, mais pourtant l'enfant doit sortir. Lorsque l'enfant sort, toute la douleur disparaît. De la même façon, lorsque ces chics-là, lorsqu'on sort de pieds, vous oubliez toutes les douleurs qu'on faisait pour pouvoir extirper. Lorsqu'on extirpe le pus, on met le bandage, vous êtes calme. Quand la blessure, la guérison vient, vous oubliez tous les maux qu'il y en a. Donc, de la même façon, lorsque tu vois ton ennemi en train de faire quoi que ce soit, c'est le principe encore que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc au chapitre 6. Il a institué cela partout dans le livre de Luc, chapitre 6, dont je vous ai donné tout à l'heure. Alors, c'est le même exemple qu'on a dit des disciples, dont les disciples sont allés développer, parce que Jésus leur avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit cela sous forme de code. Maintenant, ils sont allés décoder. Et c'est une grâce que de supporter des injustices lorsqu'on souffre injustement. D'accord, ma soeur? Et puis, on va poser la question, quelle gloire y a-t-il à subir des souffrances si on en souffre comme se mêlant dans les affaires, ben comme bandit, il n'y a pas de gloire. Mais si dans une justice, si dans votre travail, dans ton lieu de service ou dans n'importe quoi que tu as de faire, on te met à la porte parce que tu as fait ce qui est juste. La Bible déclare que tu sors tête haute devant le Seigneur. Devant les hommes, on pourra dire, porte plainte, prends tel avocat, l'entreprise va te payer 4 000 $, 3 000 $. Tu te seras rendu justice et tu n'auras pas gain de cause devant Dieu. Continuons, ma soeur, la lecture. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour que vous a souffert autant pour moi. C'est pour cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je te prends là-bas. Donc, tu dis que tu es disciple du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Oui. Bon, on dit ici que tu as été appelé à faire quoi ? Ici.
à suivre ses traces. C'est, quelles sont les traces? Parce que dans le contexte qu'on en est parlé, on parle de quelque chose de précis. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelé, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Quand il dit, oh, dans le premier volet, c'est à cela. Cela l'a mis pourquoi? Pour la souffrance. Réponds maintenant à la question. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelé, parce que Dieu, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, mm-hmm. afin que vous suiviez ses traces. Mm-hmm. Non, le verset 21 continue, il dit, et c'est à cela. Ça fait suite donc de quelque chose qu'il a dit en haut. Donc, prends le verset 20, tu lis, et puis on va revenir encore au verset 21. Quel droit, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en le fais, tout, mais si ton, tout en faisant le bien, lui supporter la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Voilà maintenant, et puis maintenant, lis le premier volet du verset 21. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelé. Donc le cela est mis pour les souffrances dont il faut supporter en haut. D'accord, ma soeur? C'est à cela, ce style de souffrance, ce style de vie. Ça, c'est ce style de vie. Et puis, on donne maintenant un exemple que Christ aussi a souffert pour nous. Il souffrait injustement pour nous. C'est pour ça qu'il est dit tout à l'heure là que la parodie de justice qui a eu lieu et qui a été établie lors du jugement, lors du procès de Christ, a montré clairement que sur le plan humain, la justice va toujours être du côté du plus fort, ou mieux du côté des mensonges sur la terre. Si Christ est passé par là, ou dans son procès, le Dieu de gloire est là postré, on amène des gens qui le regardent Dieu dans les yeux. Il vient mentir sur son nom. Deux témoins. Ils disent, nous l'avons entendu dire, et Jésus le regarde comme ça. Là. On cherche tout simplement deux témoins pour qu'ils disent quelque chose. La parodie, parce que la, selon la loi, il faut que les témoins soient là deux pour qu'on puisse les condamner. Et donc là, ils vont soudoir et les témoins disent, allez le dire. Et Jésus, en train de les regarder, dit du mensonge. Il ne dit pas que vous mentez, j'ai dit ça pour prouver. Il ne dit pas cela, il reste calme. Au point où même les sacrificateurs et les gens qui jugent disent, ne dis-tu pas, tu n'entends-tu pas de tout ce qu'on dit, il est resté calme. Mais si c'était nous, je lui dis, il veut prendre un avocat, il veut prendre le puissant avocat, il veut prendre le maître Vergès, il veut prendre le grand avocat intel, spécialiste de la constitution, il veut prendre pour pouvoir défendre, parce qu'on veut avoir raison. Vous pouvez avoir raison sur la terre, devant Dieu, vous n'avez pas raison. Vous pouvez ne pas avoir raison, être condamné par le tribunal humain, mais Dieu vous a justifié. Vous prenez par exemple le cas de Joseph en Égypte, qui avait été accusé faussement. On ne le prend pas tout simplement pour mettre en prison. Pour que vous, passez en, pour que vous allez en prison, il faut vous passer par un jugement qui vous condamne par rapport à l'acte dont vous êtes accusé. Et pour que l'acte dont on vous condamne à cet acte-là, il va falloir qu'on prouve que vous soyez coupable. Donc il a été accusé d'avoir tentative de viol à une femme mariée. Non seulement une femme mariée, mais un haut responsable. La Bible nous dit que c'est la femme de Potiphar qui l'a séduit, il a refusé, il a tiré sa tenue. Pendant qu'il partait, il a crié que l'homme s'est voulu me violer. Maintenant, sur les faits, les enquêteurs peuvent avoir vu maintenant qu'effectivement, parce qu'elle a crié, il a voulu fuir, c'est là où il a raté sa tenue. Mais le scénario est tout autre. Le tribunal humain l'a condamné à des peines de prison. Ceux qui ont prononcé ce jugement vont rendre compte à Dieu au jour du jugement. Vous voyez, sur le plan humain, on l'a condamné en prison. Mais même cette condamnation et cette prison-là étaient dans le plan de Dieu pour le hausser à la gloire. Donc vous voyez effectivement qu'en réalité, on ne peut pas échapper à toutes ces choses-ci de la part du Seigneur. Proverbe chapitre 24, je vous ai dit qu'au courant, là, on pourra y rentrer. Proverbe chapitre 24. Nous allons lire le verset 29 seulement, le verset 29, puis rentrons encore dans ce livre de 1 Pierre chapitre 2. Canada, dans la sainteté, bonsoir et bienvenue encore. Souvenez-vous que je vous aime et je vous aimerai toujours. Merci. Tout ce que j'attends sur la terre, c'est que tous ceux-là donc, qui sont censés entendre cette voix-là, entrent tous et puis on rentre dans la gloire. Tout simplement. Vous y êtes. Proverbe chapitre 24, le verset 29. Seulement, le verset 29 seulement. Qu'est-ce que ça dit? Ne dis pas, comme il me l'a fait ainsi, je lui ferai. Oui. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Voilà. Vous voyez, la personne qui vient de parler conclut, je rendrai à chacun selon ses œuvres.
Qu'est-ce que le Seigneur, vous voyez que la voix silencieuse de Dieu prend et met son estampille dans cette phrase-ci. Il dit, ne faites pas ceci. Voici ce que moi je suis censé faire. Il dit, ne dis pas. Je lui rendrai comme il m'a fait. Ça veut dire qu'on t'a fait quelque chose. On t'a fait quelque chose. Tu dis, ok, je vais trouver la solution. Je vais faire aussi comme ça. Dieu dit, ne le fais pas. Dieu dit, en réalité, dans ce verset-ci, je rentrerai à chacun selon son œuvre. Dieu veut dire, je m'occupe de cela. Si on te fait ça, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cela. Selon cela, c'est ce que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 12 aujourd'hui. Il dit que ne vous vengez point. Car Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ce que Jésus a développé quand il était sur la terre dans ce livre chapitre 6 dont je vous ai donné. Il a dit, si quelqu'un, ton ennemi, quelqu'un te force à faire un mal avec lui, fais-en deux. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, discute avec toi pour prendre ton manteau, donne-lui même ton vêtement du dessus. Ça veut dire que ma soeur, si quelqu'un t'agresse, il prend ta carte bancaire, dis-lui que oh, tu as oublié le code. Le code de 4 chiffres, c'est 1, 3, 4 et 6. Comme ça, vide le compte bien. D'accord, ma soeur? 1 Pierre chapitre 2, rentrons-y. 1 Pierre chapitre 2. Donc dans ce verset 21 de 1 Pierre chapitre 2, il dit, la sœur Karine, Flora, il y a le bruit chez toi. Dans ce verset 21 de 1 Pierre chapitre 2, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés afin que vous appelés parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple. Donc cette souffrance injuste qu'il avait faite le jour de la justice, c'était le plan pour nous montrer que c'est par là que nous sommes censés passer dans la justice humaine. Il dit, afin que vous suiviez ces traces. Maintenant, verset 22, ma soeur, continue là-bas. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Arrêtons là-bas. Donc voilà donc l'exemple qu'il a laissé. Le problème qu'on dit, il n'avait pas de bouche, il ne donnait pas des injures, il n'avait pas de péché, ça veut dire qu'il était non coupable, c'est ce qu'on avait dit. Donc il était non coupable. Et puis pourtant, lorsqu'on lui faisait des menaces, il n'en faisait pas des menaces. Mais on dit qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire qu'il ne se confiait pas à la justice humaine. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la trace, les traces qu'on doit suivre. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Fermons dans la Bible. On ferme la Bible, je vais parler. Alors, sur la terre, on aura toujours sujet, lorsque notre orgueil et notre ego propre seront challengés par les événements d'injustice sur la terre, on aura toujours cette tendance-là à trouver la solution instantanée pour régler le compte à ceux-là qui veulent nous faire du mal ou bien qui veulent empiéter sur notre territoire. Le Saint-Esprit, lui, il dit stop. Souffrez et patiemment, souffrez dans cette souffrance-là, dans cette injustice. C'est ce que le Saint-Esprit recommande. La Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous créent affliction et de vous donner l'héritage avec les sanctifiés lorsque Jésus-Christ viendra dans la gloire. N'est-ce pas, ma soeur? Alors, le pardon est absolument nécessaire. Je n'ai pas le temps de qu'on entre. Si on entre encore dans le Matthieu chapitre 18 et Luc chapitre 17, ça va aller encore très loin. Quand il a parlé de cet enseignement de pardon à ses disciples qui sont en train d'écrire là maintenant pour nous expliquer bien cela, sur l'apôtre Pierre que nous venons lire là, lui m'a dit, combien de fois devrais-je pardonner notre mon frère? Jésus lui a dit que s'il pêche 7 fois la journée et que 7 fois il revient, toi tu as dit que c'était fait 6 fois. Il dit que ça fait 7 fois la journée, il revient 7 fois, que tu me pardonnes, tu dois lui pardonner. Ça c'est le cas où la personne revient. Et puis il a dit que mince, si c'est comme ça, c'est chaud hein. Jésus a donné donc la parabole de quelqu'un qui avait devait de l'argent et qu'on lui a pardonné. Vous savez cette parabole-là. Puis il a dit, c'est comme ça que le Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnerez pas de tout votre cœur. Donc en réalité, on doit pardonner parce qu'on a besoin du pardon. Parce que notre pardon sur la terre implique automatiquement le pardon de Dieu. Parce que dans la prière que les amateurs de catholicisme plus répètent, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le contraire de ce passage, de cette phrase-là, dit quoi?
Ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnerons pas ceux qui nous auront passé. Voilà, c'est comme personne ne peut changer les prières, c'est pour ça qu'on n'a pas mis. Mais c'est dans la Bible écrit en blanc. Voilà. Des questions? Ma soeur, tu es toujours. C'est toi, tu avais beaucoup de questions, donc on est toujours à toi. 1h30 ici à Douala au Cameroun. Si, même si tu fais quelque chose, quelqu'un dit hey, yeah, achète-moi le problème, yeah, donne-moi ton problème là. Yeah, on te fait ça, tu laisses. Dis ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ s'occupe de moi. Donc il dit, il faut que tu fais comme ça, on va marcher sur vous, marcher sur vos têtes. Il dit qu'il marche sur ta tête n'importe comment, ta tête ne peut pas être sur la terre parce que ta terre est dans la gloire avec le Seigneur. Pour que quelqu'un marche sur ta tête, il va falloir qu'il soit plus haut que Jésus. D'accord ma soeur? Ma soeur dort. Elle n'est pas compris. Ta soeur essaye de traiter l'information. Ok, traite l'information, ma soeur. Traite l'information. Oui. Oui. Passe ça sous Marc. Elle est en train d'emprunter une dizaine. Elle a l'impression que cela ne se peut pas. Elle essaye de voir comment elle va emprunter encore. Courage, d'accord? Courage. 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 Les principes du Seigneur, lorsque ça rencontre des fondations et des forteresses, des principes humains, des self-défense bâtis en nous, ça crée de choc à l'intérieur. Mais c'est nécessaire. Parce qu'un bulldozer ne peut pas casser un immeuble en caressant. Un bulldozer ne peut pas casser un immeuble en caressant tout simplement. Ça fait des chocs, ça fait des résistances. Voilà. Des questions? Donc, en un mot, c'est peut-être depuis 2 ans que je supporte ça, je vais continuer de supporter ça. J'aurais dû continuer de supporter ça. Exactement. Il y a des gens qui supportent plutôt la maladie. Dans la Bible, quelqu'un a supporté la maladie depuis 40 ans jusqu'à ce que Jésus vienne. Et Jésus a dit, la Bible déclare, sachant qu'il était malade depuis. Il y a des gens qui ont dû supporter plutôt la moquerie dans la Bible. D'autres ont été stériles pendant 50 ans en supportant les moqueries des côtés. Pourtant, à la fin de ça, de cela, le Seigneur s'est montré à eux. Il y a d'autres qui ont pu supporter plutôt l'injustice. L'Église supporte les persécutions maintenant plus de 2000 ans que Christ a dit qu'il revient. Il ne vient pas. Si on se fâche maintenant, on se donne la mort pour quitter la terre. Si tu vois, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que tous les exemples que tu cites là, c'est tout ça là mélangé que je supporte. Tous les exemples que tu as cités là, il y en a peut-être qui vont venir. Et c'est tout ça que je supporte. Et depuis des années. C'est une grâce devant le Seigneur que tu supportes tout ça, ma soeur. Oui. Dis la parole. Chacun a son tour. Comme tu vas chez le coiffeur, chacun a son tour chez le Seigneur. Et chacun a son bulletin de notes, son bulletin de passage, son empreinte obligatoire. Personne ne peut prendre un peu chez toi, tu peux prendre autrement chez nous. Chacun doit supporter. Job avait passé sa part d'examen. Il nous a laissé la trace. Pierre avait passé sa part. Étienne était rempli du Saint-Esprit, il parlait parce qu'il était comme un ange. Quand le caillou était venu sur lui, il a compris que le Saint-Esprit ne supporte pas le caillou. C'est lui qui doit supporter. D'accord ma soeur? Ouais, comment mon frère rit seulement, n'est-ce pas? On n'entend même pas ce qu'il dit là-bas. Ok, des questions? Oh mon frère, pourquoi tu te moques de moi? Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir une maturité terrible. Si je commence à vous raconter des choses, vous ne pourrez pas. Si vous racontez des choses sur ma vie, sur mon épouse, sur mes enfants, de ce que le Satan se présente devant moi, il fait et il dit que ça doit arriver. Et des prophéties viennent même de des gens hors de l'esprit. Et l'esprit les anime pour dire telle chose va arriver sans qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire cela. Et moi, si je vis ce combat-là. Mais vous avez votre femme à côté de vous, vous ne devrez pas lui dire ces choses. Ou je suis obligé d'entrer dans le domaine spirituel, combattre que ces choses n'arrivent pas. Parce que les gens sont en train d'attendre seulement et souhaitent que telle chose arrive. Pour qu'on dise de lui, peut-être qu'il a mis la main quelque part, ou bien on avait dit ces choses que ça ne peut pas aller loin, ainsi de suite. On doit seulement être au pied du Seigneur pour supporter ceci. Maintenant, je vais vous prendre un exemple, le cas du Seigneur Jésus. Le premier jour où il a choisi Judas, il savait que voici celui qui devait le vendre. Imaginez comment ça a pu être avec lui, supporter, de connaître que voici la personne qui va vous vendre. De dormir avec lui, marcher avec lui.
il vient dire Rabbi, mange le pain. Et quand tu le vois chaque fois, tu sais que c'est celui qui va me vendre. Imaginez comment c'est terrible. Si vous êtes là comme ça, il y a des gens qui viennent dire, frère Junior, parle-moi de, dis-moi, même si c'est n'importe qui, j'essaie de supporter. Vous le regardez comme ça, son cœur est comme la pomme de terre qui est mou. Vous lui dites la vérité, le pain, il va aller saccager les gens. Ouais, on est obligé d'utiliser le langage diplomatique pour lui parler que ta mère, est-ce que tu connais le côté spirituel de ta mère? Il dit non. Comment tu rêves souvent, ta mère est comment? L'information c'est que ta mère est sorcière, mais elle ne comprend pas ce qu'on a de dire. Parce que ta mère est sorcière, elle va aller taper sur sa maman. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire diplomatiquement. Donc, il y a des choses qu'on doit supporter. Et quand Dieu fait supporter ces choses-là dans notre vie, c'est pour que nous portions en nous un style de caractère qui veut pour nous. Ce n'est pas pour nous détruire. Quand vous entendez que c'est une grâce que de supporter, quand l'apôtre Paul dit que je porte les marques de Christ pour l'Église dans mon corps, pourquoi ne prie pas que le Seigneur éloigne cela de lui? Parce que Jésus l'a appelé en disant que c'est un homme, un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai comment il va souffrir pour mon nom. Donc, dans son ministère, il y a la souffrance incluée. Donc, laissons les apôtres d'aujourd'hui là qui disent que non, la souffrance est terminée, qu'il a tout cloué à la croix. Il avait cloué le sentiment pour l'apôtre Paul, il n'a pas cloué. N'est-ce pas? Donc, on a des problèmes sur la terre. Chaque fois quand quelque chose nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez être dans une famille et vous élever ou bien héberger même quelqu'un chez vous que vous avez pris et nourri. D'autres personnes prennent des personnes qu'ils ont dû envoyer à l'école, les faire fréquenter, et la personne leur traite des racailles plus tard. Vous êtes choqué par ce qui arrive, par l'injustice humaine. Vous êtes choqué par ces choses-là. D'autres personnes, même comme vous êtes à l'étranger, envoient de l'argent dans leur pays que essaient de même construire la maison. Vous faites confiance à quelqu'un, il fait autre activité avec. Vous venez comme ça, il vous insulte en face, face à face. Vous êtes choqué. Tout ceci a un but en tant que croyant. Dieu veut vous montrer que vous devrez arriver au niveau où vous devez vous surpasser au niveau du matériel. Au point où même si quelqu'un vous prend 4 milliards ou tout, vous restez tranquille en aimant la personne. Voilà le message. Voilà en somme le message pour lequel cela est là. Vous allez habiter avec des gens vont vous parler, même dans votre propre maison. Que ce soit votre belle famille, viendront chez vous, marcher sur vos têtes, vous parler des choses, vous insulter. Dieu va vous apprendre la maîtrise des soins. Pour que quelqu'un vous dise quelque chose, vous restez calme en le regardant. Quand je serai au Canada, je vais vous raconter une petite histoire sur moi pour que vous compreniez. Vous pouvez rester comme ça, quelqu'un en train de mentir au-devant de vous, mentir comme ça. Vous restez tranquille. C'est pour ça que la prière à l'intérieur est nécessaire. Avec la prière, on peut désorganiser tout le plan de l'ennemi. Canada de la sainteté, bonsoir et bienvenue. Des questions? Ok. Je vais rester rapidement toujours dans le cadre du pardon. Oui. Maintenant, ça va être plus bref. Moi, en général, quand je constate que je me fais, par exemple, si je suis avec des gens, je me rends compte que je me fais, par exemple, abuser, on abuse de moi, ou alors on se moque de moi. Moi, je coupe les ponts, par exemple. Donc, je me retire, je coupe les ponts. De quelle façon je dois faire le pardon en ce moment-là? Comment est-ce que je fais le pardon? Bon, si tu coupes le pont, si tout le monde se moque de toi, tu vas couper le pont, tu vas faire comment, ma soeur? Qu'est-ce que je fais? Comment est le pardon en ce moment-là? Comment je pardonne? Allons d'abord à la base. Si tu coupes le pont, si tout le monde te déçoit, tu coupes le pont, tu vas faire comment? Tu vas t'isoler tout le monde seul, pas vrai? Bah oui, je suis de plus en plus isolé, oui. Prenons un exemple du Seigneur. Quand il a posé à ses disciples la question, que pensent les gens de moi? Tu connais les différentes réponses qu'on lui a données? Je me souviens plus. De toute façon, lorsque Jésus entrait dans Jérusalem, tu as vu la foule de personnes qui ont commencé à chanter Hosanna au fils de David, n'est-ce pas? Ces personnes, quand le crucifié, ils étaient où? Dans Jean au chapitre 5, à la fin de Jean chapitre 5 et au début de Jean chapitre 6, il fait multiplier le pain au point où plusieurs milliers de personnes en mangent. Et le lendemain, ces personnes-là viennent lui demander quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Tu penses, quelqu'un qui a fait ces choses-là, ceci, qu'est-ce que Jésus devait faire d'eux? Il a commencé à les parler gentiment et doucement. Au finish, les gens veulent même prendre la pierre pour le tuer. S'il voulait couper le pont, il ferait comment? Notre attitude, ce n'est pas de nous séparer. Dans ce livre que nous avons lu là, la Bible déclare que autant que ça dépend de nous, soyez en paix avec tout le monde. Autant que ça dépend de nous. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14, la Bible déclare « Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lequel personne ne verra le Seigneur. »
Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne doit pas rester sur la défensive. Il faut regarder aussi quelle est l'attitude qui fait que telle personne puisse me montrer tel ou tel caractère. Parce qu'il y a deux volets dans cette chose-là. Il y a le volet du fait que peut-être tu peux avoir un comportement qui pousse les gens à te détester. Et le domaine où peut-être tu as une marque d'extampille que Satan a mis sur toi pour attirer les gens à te haïr. Si le deuxième cas est respecté, est le cas, il faut chasser et ôter tout simplement le voile là. Un peu comme on enlève le gandora. Quand on enlève tout cela, tu vois tout le monde, tu vas commencer à voir tout le monde. Parce que fondamentalement, les gens créés par Dieu ont le principe de l'amour en eux. Ils ne sont pas faits peut-être pour avoir des problèmes. Mais s'il y a le problème, une série de problèmes avec un, deux, trois, il y a un problème d'ordre spirituel derrière. D'accord, ma soeur? Quelqu'un peut être habité par un esprit que lorsqu'il te met avec quelqu'un, lorsqu'il voit que vous avez l'amitié, cet esprit va vous créer des couacs. D'accord, ma soeur? Et c'est le cas. Bon. Voilà. Mais j'ai dit ici, en fait, c'est que c'est moi qui suis abusé. Donc, à l'origine, ce n'est pas moi. Je pense que c'est pas moi qui initie. Donc, oui. C'est moi qui suis abusé. Et là, quand je me rends compte que les gens m'approchent juste parce qu'ils veulent profiter de moi et tout, je veux dire... Je comprends, c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. Je crois que le problème vient de l'autre. Oui. Et je me dis, ok, ça vient de l'autre, alors je pense que je préfère... Alors je coupe les ponts et puis je me retire, c'est ça. Et le cycle continue, la suite numérique continue pour d'autres personnes encore et d'autres personnes et d'autres personnes. Et chaque relation dont tu vas entrer va toujours finir par être coupée. Tu vois, le but de cela, c'est créer des problèmes pour t'isoler. Et quand on t'isole maintenant, on entre dans le ton domaine spirituel, tu entres dans la méditation maintenant, commencer à penser. Ces personnes-là qui sont isolées et sont hors de ta vie, c'est tout maintenant à l'intérieur de ton monde de façon spirituelle. La méditation continue sur eux. Donc là, c'est le danger. Indestructiblement, il faut la délivrance. Dans ce domaine. Donc ici, il faut la délivrance. Des questions, ma soeur? La soeur Stéphanie, bonsoir. Bienvenue. Ma question. Allô? Oui, allô? Oui, la sœur qui parlait tout à l'heure, là, son nom, j'ai déjà oublié son nom. Ça fait longtemps que ça n'a pas communié. Ça fait longtemps que ça n'a pas communié avec eux. C'est pour ça que tu as oublié son nom. C'est la sœur qui parlait tout à l'heure là. Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton nom, excuse-moi. Alice. Ok, c'est parce que je te comprends et puis comme il disait tout à l'heure, je fais la même chose que toi parce que quand les gens me déçoivent, j'essaye de me retirer et puis je m'isole et puis je me rends compte que c'est pas la meilleure façon de faire parce que moi quand j'ai commencé à travailler à Desjardins, j'ai eu un problème. Un jour j'arrive au travail comme ça là, je n'avais rien fait, tout était correct et puis du coup ma gestionnaire m'a dit que elle met fin à mon contrat parce qu'elle a raconté une histoire qui n'avait ni technique. Et puis, quand elle m'a dit ça, je lui ai tout simplement dit merci et je lui ai dit que je pense qu'il était temps que je m'en aille. Et puis, je suis rentrée, j'étais tellement en colère. J'étais tellement en colère. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai prié. Après une semaine, j'ai prié et puis j'ai écrit, je me suis assise. J'ai écrit une longue lettre. Je leur ai remercié. J'ai dit merci pour tout ce que vous aviez fait pour moi. Vous aviez toujours été là pour moi. Et à cette gestionnaire, j'ai dit vraiment, tu étais la meilleure gestionnaire et tout, tout, tout. Et puis, tous les gestionnaires, j'ai dit vraiment, vous avez été les meilleurs gestionnaires. Merci pour tout ce que vous aviez fait pour moi. Et je leur ai dit tout ce que vous m'avez appris, je vais mettre en pratique. Ce qui fait que je suis restée et puis j'ai commencé encore à travailler. Je savais que je n'allais plus jamais trouver le travail à Desjardins parce que mon dossier était tellement sale avec tout ce qu'ils avaient mis comme commentaire. Et puis, c'est comme ça que j'ai postulé encore toujours à Desjardins. Et puis, j'ai passé les entrevues et tout, tout, tout. Quelques mois après, j'ai passé les entrevues et puis là, on me demande les références. Là, je rentre et je dis à Camille que on me demande les références, lui là, c'est fini, ils ne vont pas me prendre. Et puis, Camille m'a dit, donne quand même les références de mon gestionnaire. Et puis, la dame me rappelle pour me dire qu'ils m'ont pris. Je suis restée comme ça et puis je pars dans son bureau. Elle me dit que vraiment, je n'ai eu que de
bon commentaire sur toi. Et le gestionnaire de la caisse de Rivière Rouge a dit que si tu es parti, c'était la jalousie des collègues. Donc, ce sont eux qui sont encore allés arranger les choses. Quand je suis rentrée là, j'étais tellement en colère, bien sûr. J'ai insulté, j'ai dit tout ce qu'il fallait. J'étais en colère. Après, je me suis calmée. J'ai prié pour eux. Et puis, ce sont eux-mêmes, sans savoir, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils sont encore allés arranger tout ce qu'ils avaient gâté eux-mêmes. C'est juste pour te dire que fais juste ta part. Et laisse le Seigneur faire sa part. Je sens la colère en toi, mais ne laisse pas la colère prendre le dessus. C'est que ce sont eux qui ont gagné. Mais fais ce que tu as fait et puis le Seigneur lui-même, il pourra. Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas que peut-être que je vais perdre mon travail ou quoi que ce soit. Fais ce que tu as fait et fais le bien. Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Ok. Merci, sœur. C'est sœur Camille, c'est ça? Non, Stéphanie, c'est ça? C'est Camille, c'est toujours bon. Ok, d'accord, ok. Merci, sœur Stéphanie. Mais j'avoue que quelquefois, je me questionne parce que pourquoi j'en arrive là. À un moment donné, j'avais prié le Seigneur pour lui demander qu'est-ce que je fais. Quand l'élément déclencheur s'était mis en place, j'avais prié le Seigneur pendant 2 jours pour lui demander quoi faire. Et aujourd'hui, je me demande toujours, j'avais pourtant demandé au Seigneur de me préserver de ça. Mais je ne sais pas trop. Donc aujourd'hui, je suis en congé maladie pour harcèlement. Donc je finis par me demander, est-ce que le Seigneur avait répondu à ma prière et je ne l'ai pas bien interprété ou bien je n'ai pas pu comprendre. Donc c'est là où j'en suis, je me questionne. Et je continue de dire, ok. Quel qu'en soit le cas, tu ne peux plus rentrer dans le passé des 2 ans pour régler le problème. Maintenant, là, la voix du Seigneur est sortie. Vous voyez, la sœur Suzanne est toujours dans l'obscurité, elle cherche l'horizon. Bon, maintenant on va faire quelque chose. Maintenant on va généraliser. Tous ceux qui travaillent avec des gens, avec des patrons, n'importe comment, vous devez faire cette chose-ci maintenant. Quelles qu'en soient les accusations qui vont vous arriver, quel qu'en soit ce qu'on va vous dire, ne vous défendez pas. Il va falloir que vous commencez à vous apprendre à prier par votre esprit. Même si on vous met dans le banc des accusés, vous venez le matin, on vous amène devant un bureau ou dans un conseil de discipline, puis on vous appelle, on dit qu'on vous appelle dans le bureau, on vous sème, on vous dit n'importe quoi, des grossièretés sur vous, on dit des mensonges, sauf que des mensonges. Pendant qu'on entre, on se rend de fesses là, dites Seigneur merci, merci pour ces gens-ci, merci pour eux, merci pour eux, merci pour eux, dans à la bonne de votre cœur. Et que n'importe quoi qu'il va faire, n'importe quelle décision qui seront faites, dites-vous que ce n'est pas contre les puissances physiques que vous avez à lutter, c'est contre les puissances des ténèbres qui sont derrière pour pouvoir vous malmener. Mais que ça ne change point votre stabilité en Christ dans votre foi. C'est le danger. C'est ici que ces événements-là veulent nous arriver. Ça veut t'amener dans le stress, dans toutes ces choses que tu vas commencer à penser, est-ce que Dieu m'écoute même, est-ce que ceci, pour amener à ce que vous ne priez pas, vous ne jeûnez plus, ainsi de suite. Lorsque Satan sait effectivement qu'il s'y touche, comme dans le cadre des gens, il touche votre matériel, il touche ce sur quoi votre vie en dépend. Vous continuez dans la bonté et dans la droiture avec le Seigneur. La Bible déclare qu'il fuira loin de vous. Canada, dans la sainteté, bonsoir. Donc c'est un peu comme pour les femmes mariées, si ton mari fait n'importe quoi, même si tu as le sang chaud, même si tu es de la tribu de Bassa, où on dit que tu as les 15 minutes de folie, ta folie maintenant doit être l'amour du Seigneur Jésus. Et ouais. Si tu n'as pas le sang chaud? Ce n'est pas le sang chaud, c'est que tu as le sang froid, il faut seulement glacer maintenant. C'est-à-dire que quand tu es glacé, tu restes calme. Normalement, quand on a froid, on ne parle même pas. On grelotte seulement. Tu grelottes en disant Seigneur Jésus, la prière fervente du juste, pas vrai quoi? Vous priez seulement pour votre mari. La solution, le bruit, ça ne règle pas le problème. Le bruit attire les voisins, attire la police, attire les gens, les regards des gens sur toi pour te regarder par la suite en disant que voilà celle qui s'est dit chrétienne. Après, tu dis Seigneur, excuse-moi, c'est que ça a débordé le vase. Cette fois-ci, elle a dépassé les bornes. Qui a fixé les bornes? Qui a fixé les bornes? Si Dieu avait dit qu'il va pécher jusqu'à ce jour où il va pécher au point et un jour il va tomber dans le carrefour, casser ses pieds avant qu'il va revenir à la raison, comment tu fixes les bornes alors qu'il n'aime pas encore le gars, encore chaud gars? Canada, la sainteté, bonsoir et bienvenue. Des questions. La sœur Augustine pose la question alors.
La soeur Monique, ton micro est ouvert. Et c'est comme si la mamie brûlait parce qu'on sent ça jusqu'ici au Cameroun. Oui, la soeur Augustine, pose la question. Ton micro n'est pas ouvert, ma soeur Augustine. Depuis moi, on n'a pas entendu ton bonsoir. Donc, ça veut dire que ton micro est gâté. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Donc, redémarre ton application. Entre temps, s'il y a des questions, quelqu'un pose. Moi, je vais juste faire un petit commentaire sur la situation de notre sœur Arissi. Oui. Moi aussi, j'ai vécu cette situation l'année dernière, à mon lieu de travail. C'était pas facile à vivre. J'étais déjà au bout. J'ai failli porter plainte. Et le Seigneur m'en a empêché. C'était une période où on partageait beaucoup avec le frère, ce qui fait que je méditais dessus. Je méditais. Donc, quand le Seigneur m'en a empêché, j'ai compris que c'était dans la volonté du Seigneur que je puisse subir les afflictions de mon gestionnaire. Mais il n'y avait vraiment aucune raison pour laquelle ce gestionnaire manifestait un comportement bizarre envers moi. Mais, Dieu aidant, j'ai finalement été affectée ailleurs. Mais, pendant toute cette période-là, je me suis quand même questionnée sur plein de choses. Est-ce que j'étais à la place que Dieu m'attendait? Des questionnements qui se soulevaient dans mon esprit. Suzanne, est-ce que tu es à la place à laquelle Dieu t'attend? Parce que oui, je sens, je vais travailler. Mais est-ce que je suis dans la volonté parfaite du Seigneur? Donc, pour un temps, le Seigneur a permis que j'aille ailleurs avec un nouveau geste. Thank you.
souffrance, j'ai appris à pardonner. Car la guérison est dans le pardon. Car la guérison est dans le pardon. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner. Car la guérison est dans le pardon. Car la guérison est dans le pardon. C'est difficile de pardonner quand on a mal, quand on a été trahi par ce qu'on a aimé, quand on a été déçu par ce qu'on estimait. Et pourtant c'est le pardon qui te guérira. Et pourtant c'est le pardon qui te guérira. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. De Jésus-Christ qui a pardonné, mais mon Seigneur sur la croix, il faut pardonner. Comme Jésus-Christ, dis-toi qu'ils ne savent pas simplement ce qu'ils font. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner. Car la guérison, pardonner, c'est dans le pardon. Pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner.